La chanson maintenant dans ligne directe, comme chaque jour, et notre invitée, je vous le disais tout à l'heure, c'est Corinne Charby, qu'on va écouter tout de suite, et puis avec qui je vais bavarder un peu après pour savoir ce qu'elle compte faire, elle, de son été, vacances ou travail, elle nous le dira. Pile ou face, tout de suite, la chanson de Corinne. Corinne Charby, donc notre invitée cet après-midi pour la chanson Bonjour, Corinne. Bonjour. On était en train de parler d'une autre enquête de Ligne Directe qui avait lieu il y a quelques mois. Je vous disais, on avait fait une enquête sur le métier de mannequin. Mmh. Vous avez commencé comme ça, vous, oui, dans la vie professionnelle? J'ai commencé tout à fait par hasard et ça a duré 5 ans. Mmh. J'ai lu dans un journal que vous avez craqué au bout de 5 ans. J'ai craqué parce que ça fait tellement longtemps que j'avais envie de chanter. Donc pendant que je faisais mannequin, j'essayais de chanter, mais ça ne marchait pas.
Donc à un moment, j'ai dit, bon, j'arrête de faire des photos et je fais que de la chanson. Je veux la parole. Et puis voilà, ça, j'ai bien fait de faire ça. Alors on est une idole en commun, autant le dire tout de suite. Hein. Ben, Véronique Sanson, moi je craquais de... Mais oui, j'ai embêté mes parents aussi, enfin mes parents. Non, c'était un... j'étais un peu plus vieux que ça quand même. Mais j'ai embêté les voisins. Ah ouais, moi c'était Véronique Sanson et France Gall. Je passais mon temps à écouter leurs chansons. À 12 ans, quand vous étiez petite fille, vous vouliez devenir chanteuse. Ma soeur me ramenait des disques. Tous les mois, à peu près, me faisait des petits cadeaux à mon frère des disques. Et c'était mon rêve. Alors, vous êtes une femme heureuse, hein, Révélation 86, c'est vrai, quoi, la chanson qu'on retrouvera d'ailleurs tout à l'heure à la fin d'émission, comme une boule de flipper. Vous en êtes où là, parce que c'est toujours difficile d'atteindre ce seuil-là, et puis de se dire maintenant, il faut en trouver d'autres, vous travaillez beaucoup de... Déjà pour Pile ou Face, enfin après Boule de Flipper, j'ai attendu 3 mois avant de trouver la musique de Pile ou Face, parce que je voulais vraiment... Enfin, c'est dur, après un succès, bon, de trouver une chanson qui puisse marcher autant, et surtout qui me plaise, donc ça a pris un petit peu de temps. Et puis maintenant, cet été, je vais travailler pour l'album. Ouais, vous ne faites pas encore de tournée, de scène? Non, je vais faire des galas comme tout le monde. Ouais. Oui, mais c'est encore un peu trop tôt, je crois, pour moi. Je n'ai pas assez de titres, et puis c'est vraiment Mais ça viendra, vous travaillez avec Didier Barbelivien, non? Oui, j'ai travaillé avec Didier. Il en a fait 850. Je ne sais pas, il en a fait beaucoup. Ouais. Et puis, dites-moi, alors, depuis La Chèvre, vous avez fait aussi du cinéma? J'ai très peu tourné, malheureusement. Ouais. Vous avez envie de continuer aussi? Oui, j'aimerais beaucoup, mais bon... Mais bon. On propose toujours des choses, mais c'est toujours la même chose. C'est pas attirant. Qu'est-ce que vous cherchez? Qu'est-ce que vous aimeriez comme rôle? Un bon rôle. Quelque chose de beau, peu importe le personnage. De toute manière, quand on a envie d'être comédienne, on a envie de jouer beaucoup de choses, surtout des choses différentes. Mais jouer toujours les pots de fleurs, bon, au bout d'un moment. Au début, c'est pas grave, parce qu'au début, il faut toujours commencer par quelque chose, et soi-même, on sait rien. Mais bon, après, le temps passe, on dit non. Voilà, on ne sait jamais, il y a peut-être des gens, des scénaristes qui regardent là, cet après-midi, donc des rôles pas pots de fleurs. Voilà. Ok, on va se retrouver donc tout à l'heure, on va vous retrouver avec cette chanson qui a fait votre succès l'année dernière. Et tout de suite, on va regarder ensemble un reportage sur un monsieur qui fait un drôle de métier. Je crois que, bon, il s'appelle, je le disais tout à l'heure, Childéric de la Mandragore, il a trouvé ça un soir, je ne sais pas comment. Et lui, en fait, on peut dire qu'il gagne sa vie au risque de la perdre. En fait, ça pourrait être la devise de ce monsieur que vous allez découvrir maintenant, qui joue avec le feu et avec la mort presque tous les soirs sur des places de village, mais il est tout à fait passionné depuis plusieurs années, cet admirateur du célèbre magicien Houdini.